Salut Internet, c'est Kamof, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, alors sachez pour ceux qui ont suivi la vidéo de la semaine dernière, ce qui s'est passé c'est qu'en fait ma femme avait des doutes sur mon meilleur ami qu'elle connaissait et qu'on avait en commun. Elle avait des doutes sur ses intentions et elle pensait que mon meilleur ami l'a dragué. Et du coup on y a tendu un petit piège et il s'avère que justement oui, mon meilleur ami effectivement voulait se taper ma femme. Et quand je l'ai surpris en train de lui dire des trucs de fou, il a mal pris, on s'est un peu disputé. Et après, on s'est quitté sur de mauvais termes et ça me fait chier parce qu'au final, c'est mon meilleur ami. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, on vous met un petit extrait maintenant. Bah, je vais lui envoyer un message, je vais lui dire de mon talent. Je vais le piéger. Vas-y, Tu m'attends? Ok. Tu vas bien? T'as un collègue? Ouais. Tu attends qui? C'est toi qui est bizarre là. Maman ton téléphone. Voilà, si vous souhaitez voir la vidéo en entière et qu'elle vous a plu, que vous ne l'avez pas encore vue, on vous met le lien dans la description. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et à regarder la vidéo dans son intégralité. Donc aujourd'hui, pourquoi je suis là? Parce que mon ancien meilleur ami, c'est plus mon meilleur ami, hein, il m'a appelé pour me dire Anto, c'est bien qu'on se voit, qu'on ait une discussion parce qu'on est amis depuis qu'on est petit. Je veux t'expliquer, je veux qu'on se voit de vive voix, je veux qu'on se voit en réel, en face à face, pour que je t'explique qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'en suis arrivé là, patati patata. Même si c'est pas excusable, il m'a dit je veux qu'on se rencontre. Moi les gars, je vais couper les ponts avec. Je lui parlerai plus jamais avec ce qu'il a fait. Je peux plus lui faire confiance, mais je veux savoir pourquoi il a fait ça et je veux écouter ce qu'il a à me dire parce que je suis curieux et j'aimerais savoir comment il a pu en arriver au point de vouloir draguer ma femme et sortir avec. Voilà, donc je vais aller à sa rencontre, on s'est donné rendez-vous, je vais l'attendre au point de rendez-vous où on se calait quand on était plus jeune, et puis quand il arrive on va tout filmer en caméra cachée. Et on verra comment ça se passe, on verra si ses intentions sont sincères, on verra s'il s'excuse, pourquoi il a fait ça, etc. Enfin bref, même moi je sais pas ce qu'il va me dire. Donc si vous voulez savoir, n'hésitez pas à regarder la vidéo dans son intégralité. Et on se retrouve à la fin pour une petite conclusion. À toutes. Bon les gars, je suis à l'endroit où on se calait souvent avec lui. D'ailleurs vous voyez, il n'y a pas que nous qui se calait ici, hein. Il y a des gens qui faisaient des bonbons aussi et qui jettent par terre. Bref, je vais l'attendre ici et puis quand il arrive, on se remettra à filmer. Voilà, comme d'hab. Allez. J'espère qu'il se doutera pas qu'on est en train de faire une vidéo, quoi. Ouais, ça va. Hein. Alors, tu voulais me dire quoi? Est-ce que l'on entend mes collègues, mes frérots? Je voulais m'excuser déjà. C'est bien, c'est une bonne chose déjà. Ouais. C'est une bonne chose. Après, je vais te demander un autre truc aussi. Bah déjà, moi j'aimerais savoir, frérot, j'aimerais que tu m'expliques comment tu as pu en arriver là, au point de vouloir brancher ma femme, de lui dire des trucs comme tu as dit, enfin... C'est pas contre toi, avec le recul après tu réfléchis. Mais c'est quoi, tu avais des sentiments? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, un peu. Mais tu sais que c'est pas contrôlable, sinon jamais je t'aurais fait ça, puis après avec le recul, tu réfléchis que j'aurais... Mais... Comme dans les collègues, quoi. Mais ça fait combien de temps que tu... Ça fait un petit moment, hein. Donc ça fait un petit moment que tu t'es jamais dit ouais je vais en parler en tout, je vais arrêter. Parce que je savais que ça allait briser une amitié. Eh ouais, mais au final regarde, ça brise une amitié quand même. C'est pour ça que je t'ai dit, je veux venir te parler, m'excuser. Ouais mais après tu sais frérot, ça changera rien. Moi je veux bien écouter ce que tu vas me dire, j'accepte tes excuses, tu vois. Je veux pas aller plus loin parce qu'à la fin c'est un peu emboucané, on va se battre. J'ai pas envie qu'on se batte, j'ai pas envie qu'on. Voilà, mais tes excuses, je les accepte, mais ça changera. Moi ce que tu as fait, j'ai décidé de venir, de m'excuser, même si ça brise notre amitié, bah, tant pis, c'est moi je l'aurais voulu, mais par contre, je te demande un truc, sinon j'enlève la vidéo. Ah, tu veux que j'enlève la vidéo sur internet? J'enlève la vidéo, si tu veux qu'on ne se parle plus, on se parle plus, mais juste, moi je me suis excusé, toi, ce que t'as fait, ça allait trop loin aussi, la vidéo. Donc, je te demande de l'enlever, c'est tout. Frérot, si j'avais pas eu la vidéo, comment j'aurais pu prouver que c'est vrai? Comment j'aurais pu prouver que tu étais amoureux? Bah parce que frérot c'est comme ça, c'est mon taf, tu le sais frère. Ouais mais là c'est hors taf, là c'est de l'amitié, de l'amour, c'est... Après là frérot, j'espère que toi tu es pas en train de filmer là quand même, je vais pas l'enlever une deuxième fois. Frérot, non je suis pas en train de filmer. Je suis pas en train de filmer frère. Tu vois quelqu'un, tu vois une caméra, tu vois quelque chose? Tu vois sur moi, tu vois un truc? Fouille-moi si tu veux frère. Ouais, là, je te paye, là je... Je vais te croire, mais quand je rentre pas chez moi là... Et que ça marche sur internet en mode je m'excuse. Non, de toute façon, frérot, tu l'as vu, la première vidéo, tu as été flouté ou pas? Oui, j'ai été flouté. Voilà, je floute tous les gens à chaque fois. Même flouté, il y a des amis à moi qui me reconnaissent. Et...
On a eu un grand entourage, tout le monde m'a reconnu. Ouais, bah oui, frérot. Bah oui, mais bon, en même temps, tu fais des choses, frérot. Est-ce que moi j'ai une question, est-ce que ma femme, à un moment donné, elle t'a laissé sous-entendre quoi que ce soit? Jamais? Non, jamais. Alors pourquoi ça s'est fini comme ça, gros? Il y en a plein des femmes sur Terre. Parce que tu es pas venu t'excuser pour enlever la vidéo, pour juste pour que j'enlève la vidéo, frérot. Ou tu es venu t'excuser? Moi, je pense que tu es venu t'excuser parce que tu as vu la vidéo, tu t'es dit bon, je vais un peu l'adoucir, je vais un peu le brosser dans le sens du poil, comme ça il supprime la vidéo et au moins je suis tranquille. Mais moi, je pense que tes excuses sont pas sincères, frérot, parce que la première chose que tu m'as parlé, c'est ça. Ouais, j'ai un truc à te demander. Donc moi, je pense vraiment, comme je t'ai dit, c'est là pour moi tes excuses. Tu vois, au début, j'étais content, je me dis, ouais, le mec, il reconnaît qu'il a fait une erreur. Tu reconnais que tu as fait une erreur ou pas, au moins? Mais ouais, je reconnais que j'ai fait une erreur, sinon je n'aimerais pas te voir. Mais j'ai l'impression que tu es venu juste pour que j'enlève la vidéo. Je serais pas venu si je voulais que tu enlèves juste la vidéo. Je voulais m'excuser. Mais comment tu aurais fait pour que j'enlève la vidéo? T'inquiète pas. Bah, frérot, la vidéo. Non, frérot, je ne supprimerai pas la vidéo. Donc, tu veux pas supprimer la vidéo? Je viens te dire que tout le monde me reconnaît. Et qui tout le monde? Tu connais des gens qui te connaissent? Tes amis? Eh ben ouais. Et tu crois pourquoi? Tu crois que les gens, je passe plus une pluie devant tous mes amis maintenant, à cause de toi. Mais pourquoi? Tu crois que même s'il n'y avait pas eu la vidéo, tu crois qu'ils seraient pas au courant, tes amis? Tes amis, c'est les miens, frérot. On a les mêmes amis. Donc non, je ne supprimerai pas la vidéo, frérot. Je suis désolé. Ouais. C'est pour ça que tu veux me voir? Tu es sûr de toi? Je suis sûr de moi, frérot. Ça va. C'est pour ça que tu es venu? Ouais, c'est pour ça. Ben c'est bon, tu peux. C'est bon. Ben, on peut rentrer à la maison alors. Hein? Comment ça, je peux rentrer? Quoi, tu vas faire? On rentrera pas comme ça. J'ai venu calmement. C'est quoi ça? C'est rien. Ah, tu me fais un coup comme ça, genre? Tu me fais un coup comme ça? Pas fou, rien qui s'est passé là, pourquoi tu stresses? Je viens parler gentiment. Pourquoi tu viens avec 50 mecs? Je viens pas avec 50 mecs, c'est que ça me vient dernièrement. Là, tu vas m'obliger à faire ce que j'avais pas envie de faire. Mais frérot, je t'ai dit, je peux pas. Tu vas m'obliger à faire ce que j'ai pas envie de faire. Mais là, dans tous les cas, là, je peux pas supprimer la vidéo, j'ai pas le téléphone sur moi, j'ai pas de téléphone. Fouille-moi, j'ai pas de téléphone, frère. J'ai ma cigarette électronique, j'ai rien, quoi. Et tu vas faire quoi, frérot? Vous allez faire quoi? Vous allez me raqueter la cigarette électronique? Je suis ensemble, frère. Je suis ensemble. Fous-moi, j'ai pas de téléphone. J'ai rien, frère, pas de plus, j'ai rien. Non, mais les gars, c'est quoi ça? En 2024, vous faites quoi là? Oh, tu comprends pas. Tu vas partir comme t'es venu, avec rien du tout, je pense. Voilà. Ah, gros, tu vas pas me faire ça? Ah, frérot, moi tu me fais passer. Mais c'est toi, Charlie, toi. Moi tu me fais passer pour. Allez, laisse-moi me tailler. Non, vas-y, arrête. Mes collègues, ils te filment, mais sur Facebook, moi aussi. Ah, ouais, voilà, c'est une bonne idée. Mais tout le monde. Et je te floute pas. T'es en train de faire quoi là? Arrête, ne fais pas être comme ça. Moi je t'ai flouté, c'est toi qui t'es manqué en plein. La première chose, c'est toi qui t'es manqué. Okay, frère. Mais je parle à lui, frérot. Il est pas tout seul, je parle à lui, frère. Et après ça va terminer. Enlève, tu filmes. Mais pas ça sur les réseaux, frérot. Ah, tu fais quoi toi? Vas-y, enlève. T'as 1 million d'abonnés. Moi j'ai 500 abonnés sur Instagram, frérot. Tu crois que ça va faire un truc? Non. Eh ben voilà. Le t-shirt. Arrête, frérot. Le t-shirt, arrête. Le t-shirt, frérot. Attends, il fait froid en plus. Vas-y, fais vite. Lève tout. Va déjà assez fait. Frérot, le t-shirt, je t'ai dit. Tu peux pas être gentil avec moi, tant pis. Ça y est, je torse nu. Quoi le plus, je torse. Il va s'occuper de toi, il va s'occuper de toi, quoi. Arrête. Tu veux quoi, là? Arrête. Les chaussures, les chaussettes. Je te laisse le calçon parce que je paye. Putain, bâtard. Mais toi, là. Vas-y, tu veux que ça te rose ou quoi? Je vais me tromper.
Quel voyou. C'est pas ça. Ils ont 4, qu'est-ce que tu veux faire? Ils vont tout nous prendre. T'as tout eu? Ah ouais, j'ai tout eu. Attends, elle n'est pas finie, il sort parce que lui, tu as vu là ce qu'il m'a fait? Ouais, ouais. T'as tout enregistré? Ouais, c'est moi, j'ai tout. Et le micro? Et le micro, c'est lui. Et ouais, ils l'ont pris avec les affaires. Et, oui. Et t'as tout enregistré, le son? Ouais, on a tout, même quand ils partent, on va dans un temps. Même quand ils partent? Ouais. T'as vu ce qu'ils m'ont fait là, le coup de ouais frérot, je vais te parler et tout. En fait, ils voulaient qu'une chose, c'est que je supprime la vidéo. Je pense que gros, si je la supprime pas, ils vont revenir, ils vont me tabasser frérot. Ils vont revenir, ils vont me tuer. Je pense que la vidéo, faut que je la supprime. Ouais. Frérot, au final, il va se passer quoi si je supprime pas la vidéo? Là, ils m'ont mis à poil, c'est un avertissement frérot. Je le connais gros. Ouais, je crois que. Mais c'est sûr, il y a des gens et tout frère, j'ai honte. Vous savez qu'il allait se passer des trucs. Sinon, je devrais pas dû venir filmer. Mais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je supprime pas la vidéo, la prochaine fois, ils vont revenir, ils vont me déchirer. T'as mis mon adresse sur internet, t'as bien chez moi, t'as mis mon cambriole. Faut que moi, je règle le problème avant lui. Il faut régler avant. Ils ont filmé et tout. Hein. Ouais. S'ils retrouvent la vidéo sur internet. Viens, va la voiture. Ouais, j'ai les clés. Ah, va la filmer, on se pas après. Je vais trouver d'autres habits. Ça marche. Appel. Tu filmes. Ouais. Attends. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le micro là? Quel micro? Tu filmes pas, et maintenant je te raquette et je vois que tu as un micro dans tes affaires. Eh frérot, j'avais pas dit. J'étais obligé de te filmer, hein. Pourquoi tu t'es obligé? Parce que tu as vu ce que tu as fait. C'est bon, vas-y, là, c'est bon. Quoi, c'est bon? Tu vas, vous allez venir à 5, c'est facile à 5, frérot. Je vais tout seul. Vas-y, c'est bon, vas-y. Allez. Bon, tu sais quoi, tu vas voir. Il va mettre la vidéo, je suis torse nu, frérot. Ouais. Il va la mettre, hein. Des chances. Bon, écoute, on va réfléchir à ce qu'on fait, frérot. Là, on rentre, je vais prendre des habits. Parce que là, on dirait pas, les gars, mais j'ai mon pote qui m'a prêté sa veste. Peu cher, et moi, je suis en caleçon. J'attends qu'on ait un caleçon. On va arrêter de filmer. On va voir ce qu'on fait, on va réfléchir, mais ça va pas s'arrêter là.